Mes chers de la Likwala, il ne faut pas donc dire que notre politique et la présence à Suya Koti Abissouba conflit à l'Ikwalate. Ça là, je vous dis. Hein. Ça là, je vous dis. Majorité à ma conseiller, par le Kakweli Moto, présent Sassou, Atinda, Moyongo, Keno, Kano, Lobana, Keno, Ati, Moto. Donc, présent, donc, ça ne sert pas. Pourquoi Bakou Asala Gelepia à conseil? Comme président de la République, Mouta, a nommé comme président du Conseil. Ça ne sert pas qu'on divertit Batman l'élection. Pourquoi le président s'assoit à l'île qu'on divertit les Congolais? Pourquoi il veut nous divertir? Pourquoi le président s'assoit à l'île qu'on divertit les Congolais? Mais comme peuple, le conseiller, il est sous le droit à l'île Moutoute. Ça ne sert pas que nous battons l'élection. Il a nommé que l'Ondega a nommé que le préfet va président du Conseil. Mais comment ma cambo ya bozo baboton di makango to continuer et voilà que non mboka na biso que voler te à cause de ça nous on ne vole pas à cause de ça tout que voler te pas la politique oui. Pas imposer que biso toujours bato ko parasiter bato wa ko nuit parce que c'est le nom parce qu'il a été le fils à Numazalai. Numazalai habitué combien de des autoroutes ici dans la ville du fond de mer on a l'Ikwala ici. Je suis lui-même à Bétou là-bas. Il a construit combien d'écoles? Il a construit combien de lycées? Il a construit combien d'hôpitaux? Combien de centres dispensaires? Vous pensez que dans être un homme politique, il faut laisser des traces? Un grand homme, c'est celui qui laisse des traces. Donc l'ennemi du président Sassou, c'est les bombes tabac. Donc le président Sassou était venu pour combattre les bombes tabac. Les vrais problèmes de la nation, il s'occupe pas de ça. Moussa Lou Ayebika, pour combattre les ethnies, pour imposer les bateaux. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que ce comportement-là, c'est normal? Attention, héritage oiseautique que la biseau va conflure. La politique n'est pas une garantie. Donc, ça ne sert pas que non, parce que le président Sassou aujourd'hui est président, va chercher à marcher sur les bomis tabac, à maltraiter les gens parce qu'il est président de la République. Bah, bomis tabac combattre avec Mboshi. Mais on prend nos frères Mboshi comme nos frères, non? Comme nos sœurs, parce que Tobotina, on a presque la même culture. C'est nos frères. Mais comment présent ça soit à côté de la division, à côté de la politique, à côté de la quand les populations sont liées à la moto, allez à parachuter la moto. Mais la politique n'est pas là. Qu'est-ce qu'on a gagné de quoi de lui dans la Likwala ici? Qu'est-ce que le président Sassou nous a rendu comme service? Mais il a utilisé les célestins au coquille, il a utilisé les épées, les zobis et tout ce monde-là, les bongbende, pour que ma paix ait pouvoir aller là. Mais à la fin, ils sont récompensés par la monnaie du singe et la majorité sont morts pauvres. Qu'est-ce qu'il nous a fait dans la Likwala ici? Hein? Qu'est-ce qu'il nous a fait dans la Likwala? Donc, politique, quoi, donc, continuer que notre Ndimaka, politique, n'a pas imposé qu'il y a pauvre. Madame Kemenge, n'a pas demandé n'a aucune élection à terre. Comme c'est Sassou qui nomme le fils à Nomazalaï, ça ne sert pas d'aller. Et puis, dans ce cas, nous va conseiller, ça ne sert pas d'aller, laisse Sassou nommer le fils à Nomazalaï tranquillement, comme c'est un problème des noms. La paroncratie, c'est maintenant, c'est les noms qu'on va nommer. On va nommer les gens parce que c'est un problème des noms. On nomme Ndenga, si on nomme les amants à Numaza, y a Mvuba, nommé à Baptiste, ah ouais, dans les quoi là, on nomme à Numazalai. Qu'aucun élection à Téfan n'anda qu'on a. Non, les gens ne partent pas. Oui. Voilà. Laissez Sassou nommer le fils à Numazalai, comme c'est lui qui nomme le président du conseil départemental. Laissez lui nommer. Reste madame, reste chona yo qui doit aucune élection à na autant que sous communauté. Donc, normalement, que nous avons faux politiciens. Fan en anda qu'on a. Quelle part, vous sanctionnez quel. Je ne sais pas quel présent au monde là a eu rapport à détruire la tribu, la communauté, le peuple. On est au sein de la peuple, mon salut à Yébika, il y a un conflit. Au tiaka, le peuple. La population est lingi motoboye, il y a l'ongoli, à tia. 40 ans que tu règnes dans ton empire du Congo là. 40 ans de règne. Qu'est-ce qu'on nous en a gagné? La population de la Likwala, regardez comment ils sont malheureux là. Ils sont écartés même du reste du monde. Tu veux continuer de nous imposer des choses ici. Comme toi, tu étais venu pour combattre les Bomitaba. Mais les Bomitaba n'ont pas un problème avec toi. La politique n'est pas une garantie. Hein. Hier au Rwanda, les Hutus ont marché sous les toits des autres. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le contraire. Tu es en train de laisser un sale héritage au Congo-Brazzaville. Voilà. Comme Yoboma Kano Bato, n'a pas appelé ce Kingo Yoboma. Comme Yorotika éternellement. Comment le peuple est choisi Motonabango que non, est dirigé, souhaité, et Tamusamakamamboka, Yoro parachuté parce que comme Moyan Mazala chez toi, c'est un incode.
Numazale, qu'est-ce qu'on a gagné avec lui? Il était, oui, il était avec moi dans Mboka Likwala, où il y a sa politique. Tu as gagné ni la Simanaye. Qu'est-ce qu'on a gagné derrière lui? Donc, trafic d'influence, n'a bien imposé que votre bapos, vous continuez toujours à nous imposer la saleté. Mon cher, c'est pas grave. Le régime de Sassou est venu pour combattre les Bumitaba. Mais ça fait rien. Les Bumitaba restaient calmes. Betou a un ministre, Mbaka. Betou a le premier secrétaire de l'Assemblée nationale. Betou va prendre encore la présence du Conseil. Comment il faut équilibrer les choses? Comme la mission de Sassou, c'est diviser la Likwala. Mettre le conflit, combattre les Bumitaba. Mais les piètres Bumitaba qui courent derrière cet homme-là. Je vous dis que non, la politique, ce n'est pas la garantie. Vous, les piètres Bumitaba qui courent derrière cet homme-là. La politique, ce n'est pas la garantie. Aujourd'hui, vous pouvez être au sommet. Mais demain, vous devez être qui? Qui devait savoir qu'un homme Mobutu va prendre l'avion, un avion cargo, un président de la République? Aki Makende. Donc, Boyala distrait parce qu'il y a un homme politique tribal qui est venu combattre les tribus, à distrait que bateau, à diviser bateau pour ne régner qui était. Betou Mbaka est là. Sabah est là. Donc, vous voulez encore parachuter le fils de Numazalai? Mais c'est quoi ça? C'est quelle suprématie? C'est quoi? Il faut équilibrer les choses. Donc, Bolingo, ça s'accapare dans la gouvernance à Mboka, c'est comme ça, on dirait, Baninga Baba Toté, vous acceptez ça? Mais vraiment, je suis désolé, ma vie vraiment sous le régime de Sassou, c'est un sale temps, franchement. Parfois, Dieu commet aussi des erreurs, nous avons ça la cabereur. Comment nous imposer un dirigeant comme ça? Comment ça? Vraiment, nous avons ça la cabereur. Parce que au Tinda Sassou, au dirigeant des Congolais, ils ont erreur, nous avons ça la qui? Franchement. Nous avons une erreur. Nous avons détruit le peuple, divisé, créé un conflit dans la communauté, le peuple. Nous avons dit que le président. Nous avons une erreur. Mme Bondo sera candidate. La dictature PCT, on ne veut plus de ça. Betou a déjà deux représentants au niveau de l'hémicycle. Vous voulez quoi? Vous voulez nous imposer quoi ici? Il y a Mbaka qui est ministre. Il y a Sabah qui est secrétaire général, je ne sais pas, à l'Assemblée. Pourquoi vous voulez brimer les autres? C'est la dictature. La paroncratie. Parce que là, Numazala, on construit des buildings ici, qu'on va maintenir ses enfants ici. Vous voulez prendre les gens comme quoi? Oui, excusez-moi. Oui, ça c'est vraiment... le plan machiavélique, c'est exécuté ici. C'est la dictature. On ne veut plus de ça. Rien, ça va changer aujourd'hui. Quoi? On veut nous imposer parce que c'est le fils de l'homme, Numazalai. On ne veut plus la colonisation. Moyongo, tu es venu pour la colonisation, pas moi. Parce que tu es ministre, tu vas coloniser les gens ici. Mon Yongo est venu pour la colonisation avec Adoua, pas chez nous. Il n'achevait que le fils d'Adoumazala, regarde, l'inachevé qu'il vient de laisser. Mon Yongo est qui? Mouyongo est qui? Mouyongo fait la politique du ventre. Voilà. Vous avez utilisé mon terme comme votre brouette. Ça est dans nos cœurs. Et la récompense, aujourd'hui, il est sous terre. Vous continuez à faire les colonisations contre les peuples Bumitaba. Méfiez-vous. Vous voulez exécuter votre plan machiavélique. Nous sommes là, on vous voit. Vous voulez traiter les gens comme quoi ici? Nous sommes des esclaves. Qui est esclave ici? Au 21e siècle, mon Yongwe doit faire encore l'esclavage de l'homme par l'homme.
Qui va accepter? Qui va accepter? La récompense est Bomita Bakiv dont soutenu par votre guerre. Aujourd'hui, vous volez l'argent de l'État. Qu'est-ce qu'on a gagné? Des criminels politiques.